Hey yo le Nakama, c'est Shodaime. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 33 de One Piece Pirate Warriors 4. Je me suis un petit peu renseigné avant, donc il reste deux missions, il reste celle que je vais faire, plus la mission finale qui dure hyper longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en deux épisodes du coup. Celui-là risque d'être très court parce qu'il me semble que c'est le même que l'introduction. Mais bon, je vais le mettre quand même pour le plaisir de jouer Luffy en mode Luffy Taro, t'as vu. Et pour le prochain, on fera l'épisode final qui durera environ une heure du coup. Pas des bêtes de logiciels ou je sais pas quoi, j'utilise Shark Factory et c'est assez limité, donc je préfère pas prendre de risque, faire un épisode court et le prochain vraiment l'épisode final, voilà, qui dure bien une heure et tout. Enfin voilà, donc on va faire ce petit épisode tranquille et puis juste après j'enchaînerai sur le final et voilà, je vais sortir les deux épisodes à la suite, je pense. Les deux sortiront d'un coup, comme ça ce sera comme si ça faisait un seul épisode et voilà, on est tranquille du coup. Bref, combat sur Onigashima, 2 des 4 empereurs bloquent le chemin. Luffy et Kid se rendent à Onigashima pour combattre Kaido, l'un des 4 empereurs. Non loin de là se trouve un autre des 4 empereurs. Ouais, donc il me semble que ça va être la même mission que l'introduction. Donc là on a le choix que de prendre Luffy, que je vais prendre en Luffy Taro. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà essayé du coup en Luffy Taro. J'ai refait la première mission d'Wano Kuni avec Luffy en mode Luffy Taro et j'ai bien kiffé, donc là je vais le reprendre du coup, je vais me faire kiffer. Donc là cette fois on est parti. Aïe, déjà. Donc là cette fois en plus ce qui est bien, c'est que je connais bien les combos de Luffy, contrairement à la première fois que je jouais, que j'étais complètement perdu, que j'étais à l'ouest et tout machin. Là tu vois, moi je suis bien, plus on joue Luffy en Luffy Taro. Red the Hawk. Oh, ils sont des millions frère, ils sont 178 milliards, j'ai compté hein. Oh, je kiffe cette attaque. Oh là 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 là, mais c'est bon de jouer Luffy en Luffy Taro. Et lui, contrairement à Zoro, on peut lui mettre le chapeau, tu vois. Zoro, on pouvait pas mettre le bandana. Oh là là. C'est kiffant de jouer Luffy en Luffy Taro quand même. Là, je suis bien dans le mood, tu vois. Pouloulou. Oh là là, je suis en train de lui mettre du cul, mon gars. Et c'est pas fini. Ah là là, je fais tout en deux secondes. Y'a quoi. Je vous rends des raids comme ça. On est là, mon gars. Bon, ok, j'ai déjà pété la barrière. Yes, ça fait plaisir. Je vois combien je dois en buter. Oh, Kid, frère, il a ses gros bras, là. Attention, hein. Attention. Je sais pas combien faut en buter, à mon avis on va avoir on va avoir une note de merde, mais c'est pas grave. Oh. Et c'est stylé parce que Luffy, qu'on utilise des grosses attaques et... Oh, les bras frère, on dirait il a atrophié. On dirait il a les nageoires de... Enfin il a la nageoire atrophiée de Nemo, tu sais. Mais pour les deux bras genre. Quand il passe en mode gigante jet shell. Mais c'est bien fait parce qu'il passe en mode torse nu, genre comme dans l'anime, tu sais. À un moment, il était passé en mode torse nu quand il s'était tapé contre le samouraï dégueulasse là. Je sais même pas si c'était un samouraï, en vrai, je me rappelle même plus. Bref, le mec moche là. Un petit éléphant gun là. Ah, vas-y, viens dé. Big Mamu. Moi je vais lui faire le cul à Big Mom. Y'a quoi. Big Mom elle est là. Qu'est-ce que c'est censé me faire? Qu'est-ce que je suis censé avoir à foutre de Big Mom? Eh, moi j'ai le Bandman, j'ai le Snake Man. Je vais pas commencer à me casser les couilles, même si en vrai tu me démarres. Mais on s'en fout, là on est dans One Piece Pirate Warriors 4, c'est moi qui te démarre, y'a quoi maintenant? Y'a quoi Big Mom? Oh putain, je l'ai pété en Grizzly Magnum là, truc. Oh putain, y'a ces soldats et tout. Ouais, donc là c'est bien parce que je suis vraiment conscient de ce qui se passe en fait, tu vois, pas comme la première fois, parce que la première fois en plus j'étais un peu KO, j'avais pas beaucoup dormi et tout, je crois. La première fois que j'avais fait, enfin le premier épisode, j'avais pas beaucoup dormi et tout, j'étais un peu à l'ouest. Je connaissais rien des combos, j'étais perdu, là je suis bien vif, là je suis grave content. Aïe, pardon. Là tu vois, c'est bien comment le jeu fonctionne, c'est parfait.
sais quoi? Regarde bien Big Mom, on va lui mettre du cul de ouf ma gueule. Elle va pas commencer avec mes couilles hein, la donzelle. Mais regardez ses bras atrophiés, on dirait là les nageoires de Nemo. Allez bon allez, on va pas passer par quatre chemins. Voilà, c'est stylé, tu sais, il est en mode torse nu, genre il se met comme Zoro quand il passe aux choses sérieuses. Konga Organ. Oh, ça fait un bruit de rafale. Merde, attends, je vais faire un autre combo. Allez. Pah! Tiens, je lui mets tout dans les dents, moi, y'a quoi? Je pensais qu'il y avait. Enfin, qu'il allait avoir le choix de prendre Kid en vrai. Connasse. Eh, fais quoi? Pourquoi je prends pas de. Curvelin. Elle prend pas de dégâts, la pute! C'est tellement pas fait respecter. Ça pour le coup c'est vraiment un truc improbable quand même hein, on va pas se mentir. Franchement voir Big Mom se faire éjecter en un coup mais genre comme si c'était un jouet. La meuf c'était une random tu sais. Comment ça Kozo, moi je te démarre. Kaido pas Kaido, je te démarre mon frère. Eh viens là mon frère. Premier fight contre Kaido depuis l'introduction. Il me semble que Luffy va se transformer par lui-même. Oh putain, on lui descend bien sa barre d'endu. Par contre, ça je permets pas ça. Merde, il prend rien. Viens là, viens là. Pardon. Alors attends. J'entre un gigante jet shell. Alors attends, on va passer en Bondman. Je sais pas, j'ai envie de lui mettre du cul en Bondman. Ah. Que se passe-t-il? Donc voilà, c'était exactement ça qu'on avait vu. Oh, voilà, là on voit la suite du coup. Et c'est fait one shot avec Kid. Mais il croit trop les Yonko, c'est des randoms, tu sais. Ah, le Sunny. Même là, on a mis trop de temps, c'est grave. Putain, j'en ai marre de ce rang A. Je l'ai plus vu que tous les rangs possibles. Putain. Bon, allez, c'est pas grave. Comme je dis à chaque fois, je me rattraperai en off, du coup. Ah, j'ai vu la massue de Kaido, là, en pièces dorées. Ça va nous permettre de débloquer une technique de Kaido, sûrement. Une connerie comme ça. Oh, ça va être le bordel. Bon allez, je vais pas perdre plus de temps. Je vais terminer l'épisode ici. Je vous sors le prochain direct. Donc voilà, je vais pas m'éterniser. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode.